Oui, les gars, on a trop fait avec les troncs. Les TRX, en même temps, on va faire avec les USDT. OK? On tape ici. La première adresse est pour les troncs et pour les USDT. On va sur Binance. Le minimum des troncs, c'est 10 troncs. Mais je vais mettre tout ce que j'ai comme tronc. On vient sur Binance. On vient à Wallet. On vient à Spot. On tape sur USDT. On appuie Withdrawal. Là, pardon, je copie d'abord mon code. Je copie mon code. Après, je viens sur Tron 20. Vous voyez? Tron 20. Je copie. Ok, je viens. Je mets le code. Je valide. Bicyclette. Bicyclette encore. Bicyclette. Et après, valide. Ok, mais voilà, dans mon compte, là, j'ai mis avec les troncs, avec les USDT. Une fois ici à USDT, j'appuie ici sur les trois points. J'appuie sur Make et Deposit. Vous voyez? Et puis ici, il y aurait le lien que je dois envoyer. Je copie. J'appuie copier. Je viens. Je sors. J'appuie sur Withdrawal. J'appuie Send via Crypto Network. Je copie le lien ici. Je mets je cherche, je mets Tron 2000, voilà. Tron TCF1, ok. Après, j'appuie 10. Et puis, je valide. Bon, je mets 11, pardon. Je mets 12 directement, oui. Je mets 12 directement. Vous voyez, j'ai mis 12 TCF1. J'ai mis 12. Après, je valide 12 fonds. 11 USDT parce qu'ils prennent 1 dollar de commission. J'appuie sur Withdrawal. Ok. Je confirme. Je confirme. Ta charge. Après, voilà. Confirmation effectuée. Voilà, 12 USDT effectué. Je ressors. Bon, ils n'ont pas encore actualisé dans mon compte. Je vais attendre quelques minutes ou une minute. Vous voyez, là, je suis en train de refresh. OK. J'attends tout simplement qu'il confirme ici. Déjà respecté les coordonnées qu'il faut. Après mon troisième dépôt, après mon troisième retrait, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas leur faire confiance au fait? Du coup, j'ai eu encore investi directement 11 troncs, 11 USDT, pardon, qui font, je crois, qui font près de 140 troncs, je crois bien. 135 ou 140 troncs, c'est plus trop. Bon, on va devoir attendre hein, que ça actualise.